rôle, nous, c'est de représenter ADN au niveau des associations, d'essayer de démarcher pour faire entrer de nouvelles associations. Notre travail, c'est aussi, quand il y a des problèmes, d'essayer d'aider les associations sur place et de faire remonter les éventuels problèmes au siège à Paris. Le principe d'ADN, c'est l'équivalent des banques alimentaires, mais pour le non-alimentaire. Alors là, nous nous rendons à une association qui est adhérente ADN, au local, pour vérifier, comme on doit le faire tous les ans ou tous les deux ans, l'utilisation qu'ils font des produits et la gestion qu'ils ont des stocks. Donc on va regarder avec leur logiciel si tous les produits sont bien rentrés, etc. On ira visiter leur stockage pour voir si les produits sont stockés dans de bonnes conditions. Et on vérifiera ou on verra s'ils ont utilisé les outils d'affichage, affiches, stickers et autres qu'on leur a envoyés. Et puis si ce n'est pas fait, on essaiera de voir pourquoi. Puis on fera un petit questionnaire pour voir leur satisfaction, leurs problèmes et autres. Et je ferai remonter toutes ces remarques à Julie au siège à Paris. Mais par contre, tu les as pas mis les toutes petites étiquettes. Pour certains produits, on savait qu'il y aurait beaucoup d'assos, on avait limité à un par assos. Voilà. On le savait très bien, en tout cas, ça c'est vraiment des produits qui fonctionnent très bien. Les gens adorent ça. Ah oui. C'est des trucs qui ne pourraient pas se payer. Hein. Toi, tu n'as pas pris des casseroles, des choses comme ça? Là, non, on n'a pas repris de casseroles parce qu'il nous en reste. Les gens sont un peu en difficulté sur les plaques de cuisson inox. Là. Ça, tu fermes, tu sais, en bas, quand tu fais ton suivi commande, tu vas sur le site, en bas du truc, tu sélectionnes l'article en cause et tu mets « j'ai eu tant de voitures qui ne fonctionnaient pas, on marche sur la confiance ». Et eux, vous avez à l'avoir. Et après, on ira dans le foyer logement que gère cette même association, le local, pour voir l'utilisation qu'ils ont fait des 200 kits logement qu'ADN leur a fourni au mois de décembre pour équiper leur logement. Donc on a équipé donc 125 logements, hein, ce qui représente 171 places. Voilà. Et puis ensuite, donc on a mixé avec les biscuits solidaires de adhérents ADN. Voilà pour des produits dont ici les jeunes n'ont pas forcément l'utilité. C'est pour ça qu'il y a déjà des kits où on a récupéré nous ce qui nous semble intéressant pour renouveler, notamment les balais de toilettes. Et puis le reste on va bénéficier des adhérents de l'épicerie solidaire. Donc on a en gros résidence habitat jeune, on a deux grandes fonctions qui sont la fonction habitat, donc avec des habitats diversifiés qui répondent différents publics jeunes. Depuis un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai le plaisir, je dirais même l'honneur, de représenter ADN sur le département de la Vienne.